Cette journée a pour objectif de promouvoir la diversité linguistique de l'éducation. Elle est devenue une invite qu'on célèbre au niveau mondial. Ce 21 février, au Centre culturel Jean-Baptiste Tatiloutard, le directeur départemental du livre et de la lettre publique Chardin Kala a mis en valeur cette journée en invitant l'école Les Bourgeons qui a présenté une pièce théâtrale en langue maternelle. De suite, deux exposés ont été faits, respectivement par Jérôme Mangouo sur la patrie et la langue maternelle, puis Rémi Etiobongo sur le mariage traditionnel et ancestral. Entre autres temps forts, la remise des prix aux entités et aux personnalités qui promouvent la langue maternelle. Jour de la semaine en Lingala. Lundi, Mokolo ya Limboso. Mardi, Mokolo ya Mimbale. Mercredi, Mokolo ya Misato. Jeudi, Mokolo ya Mine. Vendredi, Mokolo ya Mitano. Samedi, Ponso. Dimanche, Lomingo. Voilà, on va suivre l'élève Rosie. Je vais compter et me présenter en Mundongo. Kweoi, Emma Ozi Mata, Malemula Djokwa, Mati Baïsem, un miel et bourgeon. Ma au compte jusqu'à 10 les Mundongo. Koi, Bishi, Bala, Bana, Vue, Shita, Shena, Sena, Ivuena, Djokwa. Bébé Koua! Pour épouser les contours de la philosophie de cette journée, Germaine Ololo a présenté une œuvre théâtrale ayant marqué le clou de cette célébration sur le point local. Keba, 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 mangala, keba.